Alors bonjour à tous, alors je voulais faire un petit tuto rapide pour comment installer un blow mold. Ceux qui ont les espèces de pieds comme ça, hein, pour pouvoir le fixer facilement. Alors j'utilise un support de godet de fleurs, hein, un grand support de godet de fleurs. Là j'ai fait un petit trou au milieu pour pouvoir passer cette partie là. Hein, donc je veux le mettre en milieu. Hein, donc je vais mettre ça ici et je veux que le bonhomme soit plombier dessus. Comme ça. Donc, je vais le placer. Je vais le mettre à peu près. Voilà. Comme ça. Ensuite je le retourne. Voilà, j'essaie de le remettre à peu près. Le plombier ça fait comme ça. Hop. Il faut bien mettre les vis là, on peut placer complètement que ce soit bien dans l'écran. Ensuite je replace la partie en plastique, hein, donc le trou ici j'ai craqué ici pour pouvoir rentrer ça, hein. Donc je le remets dedans dans l'axe du bonhomme. Je revisse les trois vis. Et là, donc ça fait un petit support ici. Donc maintenant je vais pouvoir le placer à l'endroit exact où je veux le mettre, ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à attacher le support après le grillage et le bonhomme, il ne bougera plus. Donc toujours les rivets sous la main. D'abord, je le grillage avec ça. Je passe mon pied derrière. En général, j'essaie de tourner un petit peu. Un autre ruban de l'autre côté. Voilà, et notre bonhomme, il a même un petit peu de mouvement s'il y a du vent. On laisse un petit peu de mou dans la ficelle et derrière dans la prise. Après, il ne reste plus qu'à brancher la prise. Donc là, un petit rilzan sur l'arrière du câble. Voilà, en laissant un léger mou pour que ça puisse se dandiner un peu quand il y a du vent. Voilà, et là, ça bouge. Et vous êtes tranquille. On va aussi couper le rilzan. Je retourne ma pince. Voilà. Et voilà, c'est propre et ça on le voit pas la nuit. Et là ça tient tranquille.